Non, j'allais dire une connerie, mais pour la circulation du sang, mais... Est-ce que tu aimes les grosses claques sur les fesses? Je suis pas fan des grosses claques sur les fesses. Les petites? À l'occasion. À quoi? Pourquoi ça vous procure du plaisir, les fessiers? Du côté sadomaso, je pense. Ouais. Quand ça fait mal, des fois, ça fait du bien en même temps. Et j'aime bien, c'est un peu de feu. C'est... Un peu de feu? Oui. J'aurais pas trop expliqué pourquoi. Ça peut rendre un côté un peu plus charnel à la chose. Genre. Je déteste ça. D'accord, pourquoi? J'ai l'impression d'être un chien. Et je suis pas un chien. J'aime pas trop les mâles dominants. D'accord. C'est plutôt moi la dominante. En fait, c'est moi qui donne des claques. Pourquoi en fait des claques, ça te procure du plaisir? Je sais pas. Tu dirais c'est dû à quoi? J'en sais rien. Je sais que c'est excitant, comme certaines aiment se faire tirer les cheveux. Ouais. Tu tombes plus sur des mecs qui le font ou tu tombes plus sur des romantiques? Non, plus sur des mecs qui le font, mais il y en a qui ont quand même du mal à se lancer, ouais. D'accord. Est-ce que tu aimes les grosses claques sur les fesses? Pourquoi? Parce que moi j'aime bien le délire de soumission un peu. Les femmes, je pense que les femmes aiment bien leurs fesses, elles les mettent en valeur d'une certaine façon et ça prouve un intérêt pour cette partie du corps et c'est plaisant quoi d'avoir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de péter pendant l'amour? Vaginal ou paix ouais, anal? Par pas vraiment, non. Pas péter, non. Pas péter, d'accord. Pire. Bah une fois, mais ouais. Parce que j'avais mangé un peu lourd. Why it happened that when a woman when made love? Have you experienced it? Mm-hmm. Have you experienced it? I don't know. I don't remember. Okay. And est-ce que ça t'est déjà arrivé de péter pendant que tu fais l'amour? Franchement, d'accord. Ça c'est mort. C'est la pire chose qui pourrait arriver, je pense. Je sais pas. C'est quand c'est dans l'action comme ça. Ouais. Peut-être un peu le stress, bah ouais, tu te lâches. Tu dis, c'est quoi qui provoque justement et tout C'est une certaine position particulière, genre la levrette par exemple. Ça, c'est tout le monde nous dit ça, ouais. C'est mais c'est très... D'accord. Très c'est marrant, moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de péter pendant que tu faisais l'amour? C'est super indiscret. Non, jamais? Non. D'accord. Pourquoi? C'est quoi ces questions, messieurs? Non, jamais. Comment ça se fait? Bah, je me retiens. D'accord. Je fais attention. Ouais. T'as déjà senti que ça allait venir? Je me suis déjà retenu, faire attention, oui, mais ça m'est jamais arrivé. Oui. D'accord. C'est... C'était marrant. Ça m'est déjà arrivé de faire un peu du caca. Un peu du caca? Ouais, non, pas de caca. Ah. Juste un petit peu comme ça. D'accord. C'était plutôt dérangeant pour moi, mais bon, ça s'est fait à la rigolade, c'était très bien. D'accord. Et ça arrivait à quelle occasion? Enfin, comment ça arrive, ouais. Écoute, j'étais allongée sur le dos, le monsieur était sur moi, et puis voilà. D'accord. Est-ce que c'est dû... La première fois que c'est arrivé, est-ce que ça a été quoi vos réactions? Toi, ton mec et tout? On a rigolé. D'accord. Ça a été marrant. Oui, non, il n'est pas parti. D'accord.